Aujourd'hui, je vais devoir faire des choix pas faciles. Ces mêmes choix vont me donner un bonus ou un malus en fonction du bon choix sélectionné. Et tout ça dans un Manhunt. Donc Shaowen aura pour obligation de me tuer. Va-t-il découvrir mon mystère? Et bah ça, pour le savoir, il faut surtout t'abonner, bordel. Alors hop hop, on s'abonne, on se dépêche. Bon, Shaowen, ça va être simple. Tu vas devoir aujourd'hui me tuer parce que dans mon inventaire se cache l'item le plus secret qui existe, ok? Ok, bah vas-y. Donc boum. Allez, bonne chance mon petit Milout. Attendez, mais les gars, il vient totalement de disparaître là. Et surtout, de quel item est-ce qu'il me parle? Non mais attendez, bon, ok, on va rester focus les gars. Notre objectif, c'est de détruire Lined. Sauf que là, bon, comme vous êtes en train de le constater, je suis totalement enfermé. Et puis Lined vient tout juste de se barrer, quoi. Ok, les mecs, ok. Regardez-moi ça dans le chat. Hunter can now start. Parce qu'aujourd'hui, les mecs, on va devoir se crafter quelque chose qui va me permettre d'accéder à des dimensions plutôt parallèles. Bon, évidemment, dans cette dimension parallèle-là, je vais devoir, entre guillemets, faire des choix. Et si j'ai la bonne réponse ou la mauvaise, et bah, j'aurai soit des bonus, soit des malus. Donc, vous doutez bien que là, on va se barrer quand même plutôt rapidement. Parce que logiquement, Shaowen est quand même pas très très loin. On va se prendre, oh, un genre de chameau, bah nickel, c'est un point. Les mecs, magnifique. Je crois que c'est limite l'un des premiers manhunts que je fais en 1.20. C'est plutôt pas mal. Oh, il y a le golem là-bas, les mecs. En fait, là, il faudrait vraiment que je le chope. Parce que là, on va devoir se crafter une underpearl qui va nous permettre, entre guillemets, de nous téléporter dans l'endroit des dilemmes. Donc là, attendez, il faudrait que j'ai du bois pour me faire des crafts. Ah, bah oui, mais on est dans un biome comme ça. Donc vous doutez bien que les villages n'ont pas forcément les bonnes structures. En plus, attendez, le seul moyen d'avoir des bâtons, c'est ramasser, entre guillemets, des petits arbustes. Oh, là, on a connu mieux, les mecs, on a connu mieux. Ok, ça va, il y a des arbres. En plus, les mecs, si j'arrive à siphonner les deux petits arbres que je vois, Shaowen n'aura absolument pas de bois. Et ça, c'est magnifique. Ah, parce que là, je ne sais pas quel genre de choix je vais devoir, entre guillemets, trouver. Bon, logiquement, dans les choix, je pense comme le peuple. Je suis le peuple, je pense comme vous. Bon, déjà, avant de faire des bêtises et avant de plus pouvoir courir, on va ramasser du bois tranquillement. Bon, toujours faire attention aux ongles morts, les mecs, pour paquer Shaowen. Et là, les mecs, on va s'empresser. Hop là, hop là, hop là. On va évidemment se faire du ping. Et voilà, les mecs, on est parés. On est plutôt pas mal. Parce qu'en vrai, les mecs, regardez-moi ça. Mon objectif est de me crafter cette perle-là avec évidemment le côté gauche rouge, le côté droit bleu, qui veut bien évidemment signifier qu'il y aura des choix à faire. Bon, pour la faire, il me faut simplement du fer, de l'or, une underpearl et des petits colorants. Donc là, on va simplement ramasser la petite table de craft et il faut que je vois si je peux avoir des genres de petites fleurs. On a déjà le colorant rouge, donc hop là. Donc là, c'est parti, bao. On va évidemment les prendre pour que, imaginons, Shaowen trouve le craft maintenant, et bah qu'il ne trouve pas de colorant en fait. Il faut vraiment que je siphonne la zone. Parce que là, je sais pas ce qu'il fait, il a pas l'air de vouloir venir. Donc là, les gars, bon, je vois son pseudo qui est juste là-bas. Du coup, je sais pas, j'imagine qu'il faut que je pète des blocs de glowstone. Ah bah oui, mais totalement. C'est 100% ça, les gars. Alors, je sais pas, ça va durer combien de temps ce truc, hein. Au pire des cas, moi je monte en haut, mais bon. Wesh. Ok, les gars, bon, là j'ai failli mourir en 2 secondes, mais bon. En vrai, ça va, les gars, on est pas si loin que ça de la surface. Bon, bien évidemment, ce gros chien de Lined, je suis sûr qu'il est parti dans le village. Va falloir qu'on prenne du pain très rapidement et surtout très discrètement. Objectif, les gars, bon, bien entendu, c'est de se faire un maximum de bouffe et d'avoir un stuff correct avant de buter Lined. Et ensuite, les gars, on va pouvoir se poser toutes les questions parce que, oui, comme vous l'avez remarqué, les gars, dès le début de la vidéo, il m'a parlé d'un item apparemment qui est cheaté. Mais bon, de une, je sais même pas de quoi il me parle. Et puis surtout, les gars, franchement, un item cheaté. Non, mais qu'est-ce qu'il m'a préparé encore? Bon, malheureusement, les gars, le bois se fait rare dans ce biome. Qui est plutôt calamiteux, il faut dire les termes. Je mets mon point de spawn juste là. Puis là, du coup, les gars, bon, on va partir à la recherche des coffres, hein. Pas grand chose à part du pain, les gars, je vous mens pas. Y a même pas de villageois, les gars, c'est pour vous dire. Ce village est vraiment bizarre. Ah là là, malheureusement, trouver du fer. Bon, en vrai, ça peut être pas mal ici, quand même, le fer, hein. Carrément, les mecs, dans ce genre d'endroit, on peut trouver des genres de petites crevasses carrément dans les montagnes. Ah, j'aurais peut-être dû prendre du bois parce que bon, c'est pas avec deux planches que je vais réussir à me faire une pioche. Oh là là, les mecs, je suis retourné à ce temps. Oh, j'ai vu Shaowen au loin. J'ai vu Shaowen au loin. Donc, quand on voit Shaowen, on fait une hache et on fait ceci, boum. Parce que les mecs, je suis sûr que Shaowen, ce chien, il a tué le golem. Et un mec qui tue le golem a forcément de quoi bien ce stuff. Un arbre juste là-bas. Oh mais non, oh mais non, mais non. C'est Lined, je suis sûr. Oh non, mais non, mais il va prendre tout le bois en fait, ce chien de la casse. C'est le désert du Sahara, on est au Maroc. Ah, j'aime beaucoup le Maroc, les gars, c'est mon pays, mais bon. Bon, j'espère quand même que Lined, il a pas fait le radin et qu'il reste quand même 2-3 bûches de bois. Ça serait vraiment bête de sa part. Mais ça serait vraiment parfait pour moi. Ok, bah oui. Oh bah oui. Alors là, les gars, je sais pas s'il a fait exprès de me laisser du bois. Et de toute façon, les mecs, vous me connaissez. Pour berner Shaowen, c'est simple. On attend que Shaowen vienne et dès lors qu'il m'a remarqué, vous allez voir. On va faire un tour de magie. Bon, il a l'air de vouloir prendre du bois. Donc vous savez quoi, on va se barrer, hein. Et voilà les mecs, exactement. Bah ce que je voulais en fait, hein. C'est exactement ça. Bon, on va évidemment. Oh, il y a même de l'or. Bon, avant de faire des petites bêtises, hop là, on s'upgrade sa pioche. Bon, ça va être compliqué de le faire là. Voilà, là c'est mieux. On va ramasser ceci et je pense qu'on va. Oh mais je peux pas. Mais quel idiot. Mais je suis un homme tronc, je suis un homme bête. Il me faut une pioche en feu. Oh là, ça va être galère. Oh, ça va être bourbier les mecs. Ok, du charbon, on va devoir faire cuire aujourd'hui. En fait, il faut vraiment que je me dépêche à aller faire les dilemmes. Il faut pas que je perde du temps. Oh là là les mecs. Oh bah tiens du fer, hein. Bon évidemment moi le Warden je suis pas là pour t'affronter. Je te le dis, il y a carrément l'espèce de petit spawner à Warden. Et là je vais devoir faire cuire mon fer brut pour essayer de ramasser un petit peu de l'or. Une pioche. Et là je dois faire attention que Shaowen ne vienne pas. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Attendez, me dites pas qu'il y a encore un autre village là-bas. Et ça Lined l'a pas vu.
vu. Attends, non, c'est pas un village ça. C'est un temple. Oh là là, alors là les gars, on va faire ça bien. Par contre les gars, non mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi cette structure encore? Me dites pas que c'est encore un autre village. En fait les gars, de base je dois buter Lined. Sauf que les gars, il se passe trop de dingueries en fait. Il y a 36 structures au mètre carré. Je suis désolé les gars, mais je vais devoir y aller hein. Merci le villageois pour ton aide, même s'il m'a pas aidé du tout. Les gars, j'en ai rien à faire, Lined, je ne vais pas le buter. Je vais faire ma survie de mon côté, me faire un stuff cheaté et l'avoir par surprise en fait. Ça va être totalement l'objectif. Seul truc qui me fait peur les gars, c'est qu'il m'a parlé d'un item qui était quand même assez puissant quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est en 1.20. Maintenant il y a des dromadaires. Bon, ça c'est bizarre ça. Ça c'est des choses quand même plutôt spéciales. C'est quoi toi, viens par là toi? Tu m'as saoulé, tu fais trop le mec. Ok. Bon les gars, devinez j'ai combien de fer. La vie de ma mère les gars que j'ai pas regardé. Pourquoi ça donne pas de couleur en bleu de la pisse? Du coup les mecs, rumba. Et là les mecs, c'est parti pour de l'or. Oula, je rigole. Hop là, dans le fourneau. Oh mon petit camarade. Bon toi t'es bien mignon, mais tu vas péter à côté de moi. Voilà. Bon maintenant il faut que lui j'arrive à le tuer sans mourir. Allez, pitié, raboule. Sale schlug. En tout cas, ça c'est sécurisé. Et maintenant les mecs, il faut que je retrouve un Underman sans que Shawen vienne. Parce que moi je vais compter sur entre guillemets le petit stuff des dilemmes pour me mettre bien. Oh bah tiens mon biloute. Alors toi vas-y, je te regarde. Allez viens. Mais viens. Et quel idiot. Il va me faire un guet-apens. Voilà. Bon maintenant les mecs, on retourne en haut. Boum. Et nous voici, nous voilà à la nage. Bon, maintenant il va falloir qu'on trouve la plaine, du colorant et on est tout bon. Et ben voilà, mon CAP fleuri, ce que je n'ai pas fait, mais utile. Donc allez mecs, vous savez quoi, on va tenter même de le refaire de tête. Je sais même pas si ça va fonctionner. Hop là, hop là. Ah bah c'est comme ça. Bah peut-être comme ça. Voilà. Et du coup les mecs, on a se téléporter aux salles. Clic droit pour se téléporter aux salles des dilemmes. Alors là, je vous aime. Boum. Oula les mecs, nous voici sur le premier dilemme qui va opposer. Tu préfères Technoblade ou Dream? Bon évidemment les mecs, oubliez pas de répondre aux commentaires. Bon moi je vous mens pas qu'en vrai de vrai, Dream, je n'ai aucune attache avec ce type. Moi rien que sa tête, elle est nulle. Technoblade, non mais regardez-moi ce flow intersidéral. C'est un cochon, c'est magnifique. Et en plus ça il a une couronne Tarlefou avec un côté bling bling. Bon je vais pas vous mentir, genre je ne regardais pas forcément les deux, mais je pense que la personne la plus sympathique, je pense qu'elle, bah, c'est Technoblade. Donc moi je pense que là le dilemme il est très vite vu, hein. On va choisir Technoblade. Bonne réponse. Oh attendez les mecs, j'ai reçu un saut de banane, un lanceur de grenade. Donner des bonnes réponses, c'est aussi incroyable. Mais what the hell? Mais attendez, mais what? C'est quoi sa lanceuse d'œuf? Si je balance, what? Il se passe quoi? Ah mais en mode si Shawen y vient, boum! En plus elle est en train de le lâcher de son trou de... Bon, le trou noir, le trou magique. Bon après les mecs, il y a une durabilité, mais regardez-moi ça, même en bas elle bouge. Oh les mecs, Shawen il va voir ça, il va dire mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le spectacle de rue? Bon le lance-grenade répulsif, vous doutez bien que... Oh les mecs, Shawen, je vais te l'exploser! Oh mon dieu, il faut que je fasse gaffe, il faut que je fasse... Attendez, si je fais ça... Oh là là, attendez, ça va péter. Oh oui. Bon après les mecs, c'est le premier dilemme. Donc il faut qu'on fasse gaffe. Et un saut de banane. Ah, et ça fait quoi? What? Wesh. Non mais attendez, c'est trop drôle. En fait c'est comme dans Mario Kart. Vous prenez une banane, hop là vous finissez en whipping. Vous prenez entre guillemets carrément les... Bah les pieds dans le plat quoi. Bah vous savez quoi les mecs, on va attendre Shawen. Parce que là je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Et j'en ai eu 5. Les gars, vous connaissez le dicton, quand j'ai 5 de fer, vous abonnez, hein, c'est comme ça. What the fuck. Mais il est juste là ce chien. Mais la tête d'homme les gars, ça va le buter là. Oh là là les mecs. Oh les mecs, j'étais un peu FK. Or toi, prends-toi mes bananes. Voilà, wouhou. Et là les mecs, boum. Voilà. Il se prend pour qui là, s'enfuir? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, 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 mais wesh. C'est quoi ça? Alors, ces trucs, ils font pas de dégâts du tout. Mais par contre, c'est insupportable, je peux rien faire. Mais what? Et là, quand il se prend les bananes, voilà, explose. Ah, tu fais moi le malin. Allez, déblaye. Je veux plus te voir, là, déblaye, là, déblaye. Oh là là, il faut que je fasse gaffe, il faut pas que je fasse le mariole. Voilà, prends-toi mes œufs dans le lard. Fais-toi whipping avec mes bananes. Vous savez, oh mince. Oh, j'ai voulu poser une banane, j'ai failli m'exploser. Vous savez quoi, les mecs? Je vais lui envoyer une banane dans la tête. Au pire, attendez, carrément, je pourrais tenter en plein dilemme. Au pire, vous savez quoi? Boum. Il m'avait dit les gars qu'il y avait qu'un seul item. Non mais attendez, je vais mourir là. J'ai que 6 coeurs. Bon après ça va, je régène plutôt vite. Mais bon, c'est quand même une mascarade là ce qu'il est en train de nous faire. Non mais là, le Venomer, les gars, il triche là. Il s'est mis en spectateur, il a dû faire un truc là. Je vois pas d'autre scénario. Il se moque de nous là. Donc là les mecs, on a accès au prochain dilemme qui est simple. Les bananes versus les kiwis. Bon en vrai de vrai, je ne sais pas forcément quoi répondre. Parce qu'en vrai de vrai, le kiwi il est succulent, il est magnifique. Mais la banane les mecs, c'est quand même un fruit de tous les jours. Mais en vrai, un bon petit kiwi à la cuillère. À moi les mecs, je dis pas non. Mais je pense quand même que... Ah je sais pas. En vrai, le kiwi a un meilleur goût. Mais je pense que là, c'est tu préfères. Mais évidemment, il faut que je choisisse, on va dire, le choix de la masse. Donc moi, je pense que les bananes, hein, je pense que les bananes sont les amis de l'homme. Donc c'est parti, les mecs, on y va. Je sais pas si c'est barré quelque part, mais si c'est barré quelque part, c'est certainement qu'il va respawn exactement à l'endroit là où c'est barré, c'est-à-dire juste là. Et honnêtement, les gars, ça peut être plus que smart que de se cacher ici. Ok, je cours. Bonne réponse. Vous avez reçu un super de bulle. Or toi, j'ai un casque à hélice. La mère qu'il est là. What? What? What the fuck? What the fuck?
bug, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, voler n'est pas autorisé sur serveur? J'ai été kick là? Non mais comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Non mais les gars, je me fais tout le temps kick pour fly. What? Oh non. Regardez-moi ça, les mecs, il sait même pas où il est. L'idiot. Attendez, non mais en plus il fait que de quitter. Parce que logiquement il peut pas fly. Oh le pauvre. Oh non, le miskin. Oh il a pas de chance, regardez-moi ça. Au pire on va le rendre minable. Voilà, il est minable, c'est quelqu'un de minable. Bon, et quand je dis minable, c'est pas minable. C'est vraiment, il est minable. Hop là. Mais dites-moi que c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fout devant moi, frère? Il mine quoi là? Voilà, hop là, on va le miner. Arrête de bouger, Shawen. Il a envie de bouger dans son corps. Voilà, sois pas insupportable. Voilà. Donne-moi ton corps. Et voilà. trop stylé. Shawen s'est fait tuer. Comment est-ce qu'il m'a buté? Non mais les gars, je ne comprends rien là. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Il y a trop de questions qui me traversent la tête là, les gars. La vie de ma mère, les gars, que je n'ai aucune connaissance de son mode. Bon, c'est par là là. Si je commence à aller en sens inverse, je vais pas aller bien loin. Attendez les gars, parce que là j'ai pas vraiment compris où est-ce qu'ils vont en venir. Qu'est-ce qu'il a préparé? Qu'est-ce que c'est que ce mode? Qu'est-ce que c'est que ces items? Et surtout, comment est-ce qu'il fait pour les avoir? Ça les gars, je pense que c'est la question quand même qui est fatidique. Parce que là, les gars, c'est impossible pour moi de le buter là. Il y a 2-3 items trolls là où je peux le buter, genre comme la banane. Mais sinon, t'as d'autres items, c'est impossible pour moi de le buter. Genre là, littéralement, le truc là où il prend contrôle de mon corps, où j'ai même pas contrôle de mon skin, genre je peux vraiment rien faire. Donnez-moi des solutions dans les commentaires là, par pitié. Bon, même si je les verrai après, mais bon, pour les prochains trolls, ça me servira. Oh, et les mecs, j'ai un truc à bulle. What the hell, man? Mais qu'est-ce que c'est que ce bail de gueudin? Non, je rigole. Si je fais ça sur moi, dans je sais pas quelle dimension, oh là 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 là. Ok, mais wesh, c'est Tandax. Donc c'est quoi les mecs, le temps que Shawen revienne, ça va être clair. On va se munir de la téléportation à la salle. Et là, boum. Prochain dilemme les mecs, on aura vivre 30 ans mais en étant riche, ou alors vivre 80 ans mais on a toujours été pauvre. Bon évidemment, quand c'est vivre 30 ans, c'est vous vivez 30 ans et vous mourrez. Après, pauvre, c'est bah les mecs, c'est que de l'argent. C'est pas forcément la famille et tout. Donc en vrai de vrai, je pense que la réponse est très vite vue. Je pense que tout le monde préfère carrément être pauvre. Parce que être riche, c'est bien d'être riche. Mais jusqu'à 30 ans, après bon, ça donne pas forcément envie quand vous voyez des toiles d'araignée que vous voyez 80 ans quoi. Or que là c'est bling bling. Donc moi évidemment que je préfère l'argent. Non. Plus de gens préfèrent l'autre choix. Ah oui, j'ai un effet de fin. Effet de fin niveau 75 pour une minute. Vie max définie à 18 points. Oh non les mecs. Shawen n'a pas intérêt de venir. Je vais poser des bananes autour de moi. Shawen ne doit pas venir dans mon périmètre. Là, ça dégage. Parce que les mecs, regardez-moi ça, ça dure une minute. Et en plus je suis en surbrillance. Donc là les mecs, tout le monde peut me voir. Je peux même pas me cacher à travers des blocs. Et les mecs, il y a actuellement Shawen devant moi. Oh mon dieu. Je vois la silhouette de Lined, je la vois en surbrillance, mais qu'est-ce qui se passe? Non mais on est d'accord les gars, il est bugué. The fuck, mais la vie de mer les gars, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il me voit pareil? Non, c'est impossible qu'il me voie pareil. Oh mais l'effet de fin, il est insupportable. Allez, prends-toi ma bulle. Non, qu'est-ce que c'est que cette bulle? Comment est-ce que je vais pour m'en sortir? Comment est-ce que je vais pour sortir de là? Non mais quel idiot. Non mais il est rentré dedans, cet idiot du village. Oh, j'ai pas dedans. Est-ce qu'on peut la casser? On peut même pas la casser. Oh pauvre Shawen. Bon tant mieux, au moins je peux me barrer là. Vous savez quoi, je vais me prendre une banane pour le fun. Par pitié, mais wesh! Non. Oh oui, les gars, je suis trop intelligent! Non, mais il a repris la deuxième, le tricheur! Il est en train de faire du glitch! Il est en train de glitcher! Et vous savez quoi, les mecs, regardez devant lui? Non, mais après, c'est trop risqué! Parce qu'imaginez, je fais le mauvais choix! Après, là, il va sûrement mourir! Au pire, regardez-moi ça, je vais lui montrer ma magnifique perle! Peut-être qu'il va tenter de la prendre! Oh non, bah non! J'ai fait un MLG de son item! Bon, je sais pas si c'est vraiment utile, mais bon! Là, les gars, si je saute assez haut, je pense que je peux essayer de me mettre dans l'eau là-bas, là! Ok. Non! Non, j'étais à deux doigts! La vie de ma mère, les gars, j'étais à deux doigts de sauter dans l'eau! Est-ce que vous avez cru? Non, mais dites la vérité. Moi, la vie de ma mère, les gars, j'y ai un peu cru vers la fin. Bon, là, par contre, les gars, il faut vraiment qu'on perce le mystère de Lined. Parce que là, les gars, ça va pas durer, c'est pas possible. Comment est-ce que je peux être autant ignorant? Il est vraiment nul. Donc, moi, je tire. Ok, les mecs, nouveau tu préfères qui va être plutôt simple. En gros, les mecs, vous préférez carrément pouvoir vous téléporter aléatoirement. Bon, après, les amis, aléatoirement, ça veut dire que là, je vais me téléporter. Potentiellement, je ne sais pas où je suis. C'est pas en mode vous téléporter dans la banque et vous voler la banque. Ah bah non les mecs, ça serait trop facile. Et l'autre c'est pouvoir voler mais lentement. En mode tu voles mais bah t'es un peu lent. Mais moi les mecs, je préfère à 100 milliards de pourcents voler en fait. Même si c'est lent, même si c'est machin. Parce que aléatoirement, imaginez les mecs, là je me dis téléportation et boum, je suis je sais pas dans un pays en guerre. Et après je vais me re-téléporter, je suis encore dans un pays en guerre. Bah je pourrais même plus rentrer chez moi. Donc là les mecs, ça va être clair. Cet endroit là les mecs, on le barricade, on envoie une bulle et on se barre. Voilà, hop là, bonne réponse. Oh là là, j'ai 10% de vitesse en plus et j'ai un peu plus de vie
yeux, regardez-moi ça en bas, les mecs. Oh là, c'est incroyable. C'est trop... Vraiment, là, le mode est incroyable. Le mode est trop stylé, les mecs. J'ai carrément envie de faire d'autres choix. Non, mais là, en vrai, de vrai, je n'ai rien à faire de Shawen. Mon objectif est quand même de le voir et de me téléporter devant lui. Voilà, pour qu'il voit ma petite perle. Après, peut-être qu'il l'a déjà vu et qu'il est en train de se la crafter. Hein. Je sais pas, en fait. Parce que là, il a pas l'air de venir. Hein. Les gars, j'essaie de voir s'il n'y a pas des crafts. Non, il y a même pas de craft caché. Genre là, les gars, je regarde vraiment partout, mais non, il y a rien du tout. Comment est-ce que la naine a pu faire? Parce que là, pour le coup, les gars, c'est vraiment relou, quoi. Attendez, quoi? C'est quoi cet item? Se téléporter aux salles. Clique droit pour se téléporter aux salles de dilemme. Me dites pas qu'il a fait tomber ça comme un idiot. La vie de ma mère, non, mais c'est pas possible. Si c'est ça son secret, les gars. Alors là, bon, vous priez pour moi, les gars. Hein. What? J'ai fait clic droit, attendez. Tu préfères perdre le toucher ou perdre le goût? Ah ouais. Ça, pour le coup, les gars, c'est vraiment un dilemme de fou. Et j'imagine que si je me trompe et que je choisis la minorité, bah, je vais me taper un malus. En vrai de vrai, les gars, je pense que il est juste là. Perdre le toucher ou perdre le goût, les gars. Ah. Donc, vous savez quoi, les mecs? Hop là. Et là, les mecs, on est marqué. Oh là là, le dilemme de fou. Soit les mecs, on préfère le football ou alors le basketball. Bon, évidemment. Quoi? Pardon? Pardon? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Me dites pas qu'il est dans les dilemmes. Bon, les mecs, moi, évidemment, c'est le football. Donc, on choisit le football. Bonne réponse, magnifique. Oh là là, j'ai l'impression qu'il a tout fait bugger, les mecs. J'ai eu la bonne réponse, mais je n'ai eu absolument rien de plus ou de moins. Il est en train de faire bugger le jeu. Vous savez quoi, les mecs? On va prendre un autre choix. Ah, je pense, les gars, que perdre le goût, c'est mieux que perdre le toucher. Parce que toucher, les gars, c'est quand même trop important. Bonne réponse. J'ai gagné quoi? J'ai gagné, les gars, un saut de banane. Oh les gars, j'ai un saut de banane! J'ai littéralement le troll de Lynette. Bon, je sais pas si c'est un troll de fou, mais bon. Vous préférez Fall Guys ou Stumble Guys? Ah là, les mecs, le dilemme, il est quand même cornélien. Hein. Parce que moi, les mecs, j'ai beaucoup joué à Fall Guys. Oh l'ordure ménagère, oh l'ordure, oh le chien de la casse qui n'a aucune classe. Il est en train de se téléporter aux salles. Il va vouloir me ruiner, il va vouloir me saboter, les mecs. Je vais pas accepter ça. Bon, évidemment, c'est Fall Guys. En vrai de vrai, c'est la norme. Quoi? Il est en train de me faire bugger tous les mecs, regardez-moi ça. J'ai beau avoir les bonnes réponses. Oh! Il m'a fait bugger. Il me fait bugger. Je peux plus sortir. Ok les gars, bon, tu préfères Fusty ou Ice-T? Bon les gars, je suis désolé, mais au bout d'un moment, ça les GM comme ça, je pense que là il y a plus de débat. Les gars, l'Ice-T c'est quand même un banger. Voilà, merci. Vous avez reçu un lanceur de grenades répulsives. Ça veut dire quoi ça? Wesh. Oh, alors là, ça, les gars, ça dépote. Alors ça, les gars, ça dépote, les petits potes. La vie d'ailleurs, c'est trop cheaté. Mais les gars, je vais me faire mon inventaire. Et Lynette, je vais le destroy. J'attends juste qu'il se TP, là, les gars. À cause de lui, les mecs, je suis bloqué ici à l'infini. Mais quel chien. En plus, regardez-moi ça, les mecs, je suis complètement bourré, là. Oh, les mecs, j'ai quelques petits cœurs. Oh, s'il vient, les mecs, je suis finitant. On va mettre des bananes autour de moi, s'il vous plaît, ne venez pas, les amis. Non. Je vais mettre des bananes. Bon, évidemment, je pourrais plus. Oh, non, voilà, je suis bourré. Oh, les mecs, c'est insupportable. C'est insupportable. Il m'a ruiné mon plan. Si j'appuie sur ça, il se passe quoi? Oh non. Oh les mecs, je suis bloqué à l'infini. Ok les gars, tu préfères Stumble Guys ou Fall Guys? En fait, Stumble Guys c'est un peu mieux, mais je pense que Fall Guys c'est quand même un classique, donc quand même Fall Guys. Oui, voilà, merci. Vous avez reçu une lanceuse d'œuf? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais oui, c'est le truc qui me balançait là comme un gueux. Wesh, c'est quoi ce système de fou? Ok les mecs, on a été téléporté dans la nouvelle zone, je sais pas ça quoi être mon bugué. Tu préfères le Fusty ou l'Ice-T? Bon, je vous mens pas, je ne connais pas forcément beaucoup ces boissons. Moi, je suis pas quelqu'un qui boit de l'Ice-T ou alors même des boissons gazeuses. En vrai les mecs, ne buvez pas ces cochonneries. Buvez de l'eau. Dans 20-30 ans, voilà, je vais pas vous faire la réplique, mais vous la connaissez. Et en plus regardez-moi ça, dans le mot fuse, il y a fuse et en plus il y a tête de fuse. Donc là je pense que la réponse, elle est claire, elle est dans la précisance. Mais j'ai vraiment ces cœurs là à l'infini. Donc la Fusty, mauvaise réponse, plus de gens préfèrent l'autre choix. Mais regardez où ça m'a téléporté les mecs. Il est en train de me faire complètement bugger cette ordure. Non mais attendez les mecs, j'ai réussi à me re-téléporter dehors, mais là attendez, il m'a complètement ruiné ma map. Le fait qu'il se téléporte dans les trucs, en plus regardez-moi ça. J'ai plus beaucoup de cœurs, j'ai limite plus rien les mecs. Non mais là je suis vraiment séché. Là, comment voulez-vous que j'arrive à me débrouiller? Là, je sais même pas combien j'ai de cœurs. J'ai l'impression que j'ai 5 à 6 cœurs. J'ai vraiment rien, les mecs. Alors là, les gars, je vous le dis, ça va dépoter les petits potes. Hein. Là, l'idée est juste là-bas. Alors là, les gars, je prends mon pain, je mange mon peigne, je me prends mes petites pommes d'or, j'ai mes petits items de partout. Et là, les gars, je vous le dis, ça va pas dépoter les petits potes là. Là, les gars, ça va être que du réel, que du concret. Oh là, il est là-bas. Mais quelle ordure. Prends ça, j'en ai rien à faire. Je n'en veux plus de ce sacrilège. J'en veux plus, je vous jure, j'en veux plus. Là, vraiment, les mecs, je suis à bout. Il a ruiné mon concept. Il a ruiné absolument tout ce que j'ai essayé de bâtir. Il s'est téléporté dans ma zone et il a ruiné ma zone. Quand je vais dans bonne réponse, ça marche pas. Et quand je vais dans mauvaise, et bah étonnamment là, ça marche. Donc les mecs, ça va pas se passer comme ça. Là, je suis complètement en colère. Attendez, est-ce que je prends des dégâts déjà? Boum. C'est quoi les gars? Je vais me re-TP parce que j'ai l'impression qu'il fait que de vouloir se barrer en fait. Et c'est impossible pour moi de le récupérer. Ça marche plus. Mais me dites pas que j'ai fait déjà tous les dilemmes. Bon, vous savez quoi les gars? J'en ai rien à faire. C'est la guerre. C'est la guérilla, frérot. Viens par là. Viens par là. Viens par là. J'ai la hauteur. Viens par là. J'ai la hauteur sur toi, frérot. Je vais l'exploser. Il mérite que ça. Je vous jure qu'il mérite que ça. Là, il m'a ZF, il m'a énervé, mais à un point, vous imaginez même pas. Or, toi, là, or, petite ordure ménagère, alors toi, t'es une ordure, mais tu es vraiment la crotte en dessous de la chaussure. Alors là, mais qu'est-ce que tu. Allez, oh! Oh le tricheur! Oh le triqueux! Non, mais oh, mais sale malade! Oh, mais sale taré! Sale taré, oh,
Mais alors là, sale malade mental, mais j'en ai rien à faire, voilà, ça déblaye. Tu veux faire le malin? Bah voilà, ça déblaye. Tu fais pas le malin avec moi, toi, hein? Ordure, t'as fait bugger mon mode. Tu vas te faire miner pour la peine. Oh non. Non mais arrête. Mais comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il a fait pour me bloquer, les gars? Moi j'ai pas eu ce système. Tu vas t'excuser maintenant. Je vais prendre un panneau et maintenant je vais dire tu t'excuses. Il va s'excuser droit devant moi. On va le re-TP où je suis et tu vas re-être minable. Et tu vas m'écrire une lettre d'excuse. Oh bah désolé. Quoi? Mais j'ai même pas eu le temps de m'excuser! Non mais les gars, c'est une arnaque ce qui vient de se passer. Je veux une lettre d'excuse à l'écrit. Non mais non, mais il est malade lui! Comment ça il me donne des panneaux? Cher Lined, je voulais m'excuser pour... pour rien du tout! What? Non mais je rigolais quand je disais rien du tout, Ido! Non mais... Cher Lined, je voulais m'excuser pour... Vous savez quoi les mecs? Ça va être simple. Si il y a 20 000 likes sur la vidéo, je libère Shaowen. Hop là, allez hop, moi je me tire. Bon bah les mecs, si vous avez kiffé la vidéo, oubliez pas votre like, oubliez pas votre commentaire. 20 000 likes, je libère. Si y a pas 20 000 likes, plus de vidéos avec Shaowen. Allez, ciao les mecs. Non mais les gars, je dis à l'aide là, je sais pas comment m'en sortir. Mais regardez-moi les gars, je ressemble à un fantôme. Eh la vie de mère les gars, ça m'a saoulé. La vie de mère, ça veut pas m'en sortir. Sors-moi. Eh ça m'a saoulé, la vie de mère les gars, ça m'a saoulé. La vie de mère, j'ai le TF4, ça m'a saoulé.